Et plop les gens, de retour dans Zéa Aliens. On essaie toujours de d'étendre le nouvel empire vers l'est, à peu près sud-est. Donc là, les missions précédentes, l'épisode précédent, nous sommes occupés des deux hordes. Et là, nous avons le choix soit entre les mines du corbeau, le col étroit ou la côte osseuse. En regardant rapidement les objectifs qu'ils proposent, le col étroit et la côte osseuse ont des objectifs similaires avec des valeurs un petit peu différentes, mais ces trois objectifs, je crois que c'est au lieu de 800, c'est 1000 infectés, on a 57 jours. Alors que les mines du corbeau a une demande de production d'or, ce qui est plus étrange. Donc on va faire la côte osseuse, potentiellement après les mines du corbeau, puis le col étroit. Je pars là-dessus pour le moment. Voilà. Vous le savez déjà, vous avez le titre, mais en soi, moi, je suis toujours en train de réfléchir. Non, mais oui, la côte osseuse, c'est ce que j'avais dit. Allez, go. Témoin macabre d'une bataille passée, des milliers d'ossements d'humains sont dispersés à travers les sables de cette côte. Cependant, les eaux qui baignent la côte osseuse sont exceptionnellement riches en vie marine et constituent un environnement très favorable à la construction d'une colonie reposant sur la paix. C'est un endroit relativement facile à protéger. Au nord, une grande chaîne de montagnes s'élève, et au sud, la grande mer vous offre sa protection. Débarrassez-vous des infectés dans la région rapidement, et vous aurez seulement à vous soucier de la protection des flancs à l'est et à l'ouest. Très bien, donc poissons abondants. Ils nous ont donné une stratégie poissons abondants, donc on aura plus 30% d'approvisionnement en nourriture avec les cabanes de pêche. Détruisez tous les infectés, population de la colonie à 800, résistez à toutes les hordes d'infectés et temps pour terminer la mission, 57 jours. Tout ça pour 200 points d'empire et 180 de points de technologie, voilà. Ah oui, effectivement, il y a des ossements, on se met un petit peu en pause. Et j'ai un peu trouvé ce bouton-là, poursuivre, qui me paraît plutôt pas mal. Donc on va... Hop, déjà, on va tous les mettre en le plus violent. Vous deux, vous allez là, et vous deux, vous allez là. Et du coup, le bouton poursuivre, ça permet à l'unité de... exactement ça, d'aller chasser tous les zombies, tous les infectés qu'elle va trouver au fur et à mesure. Ici... Non. On va les mettre là. Alors, attendez, hop. Voilà. Et je me rends compte que je me suis quand même beaucoup habitué à jouer avec ce mode là, qui est moins joli mais qui est tellement plus pratique. Donc voilà, si des fois vous ne voyez pas grand chose du visuel du jeu, je suis désolé d'avoir pris un peu trop cette habitude. Je le regrette un peu parce qu'au final c'est pas le côté le plus beau du jeu, mais si on est 100% franc, ça reste le... ça reste le plus efficace. 15 ici, on pourra même mettre une... Ah oui. Oh, quoique, il y en avait d'autres, des cabanes à 19, mais celle-ci sera très bien. Il va nous falloir un peu d'or. Ah, oh, il y en a que deux. Oh, oh, oh. Non, si, c'est bon, les trois. J'ai eu peur. Donc voilà, le fait de mettre tous les soldats en priorité, les unités les plus fortes, bah là, il y en a un qui chasse. Et c'est lui qui se fait tirer dessus en premier.
Là, j'en vois les deux petites rangers. Aider un peu le soldat, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. C'est vrai, j'avais oublié que les... Que dans ce mode-là, que dans la campagne, les maisons se produisaient, ne se remplissaient qu'à l'arrivée du train. Chose qui ne se passe pas en escarmouche. Voilà, chose à faire gaffe. Non, tu vas quand même là. J'en vois un, il est relativement proche des maisons. Et donc cette option poursuivre est très bien, je trouve. En tout cas pour des soldats un peu... Voilà, comme ça, il y a celui qui court, même s'il est plus loin. C'est quand même celui qui va arriver le plus vite et qui va faire le plus de dégâts. Ouh, là on a une maison juste là. Donc on va arrêter d'aller explorer. Toi tu viens là. Voilà. Ici, comment ça se passe? Ici, ça se passe très bien. Et j'ai masse. Quand je dis masse, ça veut dire trop de... Pas très bien. De bois. Et pas mal d'or. On va mettre des moulins si on peut. À quel endroit on va pouvoir les mettre? Ici. Non. Ça va être compliqué puisque de toute façon à un moment ou à un autre on nous dira qu'on n'a pas assez d'énergie, donc autant prévoir tout de suite. Voilà, ce qu'on a besoin ce serait ça, mais pour ça il nous faut de la pierre. La pierre, il y en a là. Et là. Pourquoi je voyais ça comme des ressources? Où ça? Ici. Ça va, il n'y en a aucun qui court. Elle devrait se soigner un peu. Ici, c'est un peu plus la merde par contre. Ok, là ils se sont inversés, c'est très bien. Non, ouvre les... Je pense que là... Je peux plus... Elle est morte. Oui, je sais. Je n'ai pas réagi assez tôt. Toi, tu recules. Alors, vous allez de là à là. Et tout le monde devrait s'en sortir. Moi. À gauche, je suis allé un peu plus loin. Donc on va continuer. Voilà. Et je ne pourrais pas mettre de ça. Est-ce que je peux mettre une autre? Pas vraiment. Très bien. Ici on avait vu 19, c'était
C'est magnifique. Oh là, 20, 22, ça serait bien, mais je crois que du coup le 19... Non, le 19, les bouffes. Donc là, 22, pour ça, il faut prendre le 14 ici. Prendre son mal en patience. Ça va le faire. De toute façon, c'est plutôt du côté sud, là. Je devrais faire ça quand je suis en pause, moi. Parce que là, on est à 20, mais c'est bien 20, mais... Mais il y a mieux. En fait. 24. Ici, on va pouvoir se mettre... oui, très bien. Il nous faut du bois. Tac. 16. 20. Ouais, 20, 23, tout ça. Et on va essayer de réavoir le 28 ou... Sûrement, on aura le 28. Et d'en mettre une au milieu. Donc là, il me faut du bois, 15 de bois, ça va arriver ici. Et on va pouvoir... Et reviens là, toi, plutôt. Ouais, elles vont s'en sortir toutes les deux. Toi, tu galères un petit peu. Ça devrait aller. Et du coup, je lui ai fait faire son petit détour, pas pour attirer les zombies, mais pour avoir du bois, ce qui nous permet de construire. Alors, ici, je peux faire 2. Je peux faire 2 et 4. 4, 5, 6, ça fait 6. Si je fais 4... Si je fais le 5 là, je pourrais pas avoir mieux. Mais je peux faire un 4 et après réserver la place pour du 2 normalement. Donc on va faire ça. Ça sera bien, bien plus efficace. En attendant, il faut qu'on agrandisse. Voilà, ça c'est très bien. Hop, hop. Si c'est une maison, hein, donc on a un peu peur. On a un petit peu peur de cette maison, c'est pour ça qu'on met le soldat là-haut. Pendant ce temps, on va gagner 4 de... 4 par 4, c'est vraiment pas beaucoup. Donc dès qu'on peut, on met le deuxième. Et ici, on va essayer de mettre une autre carrière. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la pierre, justement. Mais on va avoir du mal. Allez, il va nous falloir surtout. Il nous faut. Ah, t'es devenu vétéran. Allez, allez, tu devrais y arriver du coup. Mais c'est ça d'attirer un normal avec un rapide juste à côté, hein. Voilà. Tu vas mieux y arriver. Là, il nous faut de la pierre. Alors, 4. Je pense qu'on n'arrivera pas à faire mieux et on n'arrivera pas à faire du... On peut faire du 3. On peut faire du 3 et 2, normalement. Hein. Donc, tant qu'à faire, ça sera mieux de d'exploiter tout le gisement. Il va...
Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, j'avais oublié les pontons. Donc là, on peut avoir le ponton à 16. Celui qu'on voulait, c'était celui à 28. Ah mais 28 n'existe pas. Non, c'est bon, j'ai cru entendre comment ça s'appelle? Une ranger qui crevait. J'ai dû confondre les sons avec les gamins qui jouent dehors. C'est possible, voilà. On peut aller de l'autre côté. Tant qu'on y est. Hop, 24. 22, ici c'est quoi? C'est 23. Ouais, par rapport au 22, c'est pas beaucoup mieux. Et surtout, ça nous bloquait pas mal, quoique. Vu que. Non, même toi, tu peux pas. Est-ce que je voudrais mettre. Voilà, une carrière ici. 6. Donc 23. 23, c'est le max là, et de toute façon, tout ça va être pris. Et ici, 25, ça aurait été bien, mais ça sera plutôt sur cette zone là qu'on verra. Très bien. Est-ce qu'on peut. Oui, on peut avoir plus d'habitants. Alors. On y va, qu'est-ce qu'il faut? De la nourriture. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, 4 bâtiments. En courte production, juste pour ça. Ah bah. Oh punaise. Pourquoi tout d'un coup il y a une attaque là? Celle-ci est morte. J'ai pas eu le temps d'avoir ma caserne, moi. Bon, maintenant j'ai assez de pierres, mais j'ai pas eu le temps. J'étais trop lent. Les unités régénèrent avec le temps, je ne sais pas quoi. Ça va trop vite, les chargements. Il faut 800 personnes dans la colonie. Je suis un peu déçu là, l'attaque qui est arrivée et qui était déjà au final plutôt bien avancée quand je m'en suis rendu compte. Alors comment on peut faire? À droite c'était un peu la misère. On va mettre tout de suite les maisons que j'oublie à chaque fois. Voilà. Toi. Et toi, vous allez là. Et vous deux, vous allez en nord. Un truc que j'oublie à chaque fois. Attaquez-vous en priorité aux unités les plus fortes si vous avez le choix. Oh, ça va, t'es un. Hop, hop, pendant que j'y repense, vu que je vois le train, mais les maisons ne seront jamais construites pour ce train-ci. Au moins, elles le seront pour le suivant. Oh, punaise. Ça se passe moins bien au nord. Et même ici, ça se passe pas de ouf. Gotcha.
Punaise, ça se passe vraiment pas bien. Hop, toi tu devrais t'en sortir. C'est toujours les débuts de partie qui sont les plus problèmes. Portée. On avait d'abord. Voilà. Ensuite, il faut agrandir la portée d'abord par la gauche parce qu'on a vu que les ressources étaient un peu plus intéressantes là. Quoi cette phrase? Last night was amazing. Dit par une ranger. Alors qu'il y a des infections de zombies de partout. Voilà. Bref. Tac, tac. Caravane de pêche, on avait dit le 16 était mieux parce que. Parce qu'il bloquait pas là. On va explorer comme ça, ça sera mieux. Ce sera plus clair les intentions. Mais non, mais. C'est lui qu'il faut que t'attaques là. Sors bien toi. Du poisson. 28 pour avoir 24 pour avoir 16. Et si j'ai le 16, je peux pas avoir le 23, mais du coup je peux avoir genre un autre 28 là-bas. Est-ce que je peux avoir une autre scierie? Ça a l'air compromis. Oh, ici ça pourrait, mais bon, pour deux. Pour deux, ça va pas le faire. Ici, il faudrait avancer, mais il y a des zombies. Il me faut d'abord de la pierre, quoi qu'il arrive. On va la mettre ici, mais. Alors ici c'est 4, ici c'est 3 plus 2. On a 10.
Mais gagner 10, ça veut dire qu'on aura tout ça en moins. À se faire. Voilà. Et tu devais t'en sortir. Hop, hop. Alors ici 2. On avait dit quoi? On avait dit 4. Et 2 de ce côté. Parce que de ce côté c'est un peu plus protégé. Et tu fais tes allers-retours ici. Est-ce que je n'ai pas assez de bois forcément. Seulement que tu deviennes vétérane, toi. Vétérante. Ici. Au secours. Oui, ça on pourra pas, ça on peut pas, ça on peut, ça on peut. Là, vaut peut-être mieux repartir dans l'autre sens. Bah toi, viens. Mais il va très 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 vite me falloir un... une baraque. Là, une baraque, je peux en avoir une, je la prends tout de suite, je réfléchis pas plus. Si, c'est très bien. Je n'ai pas de fer, du coup je ne pourrais faire que des rangers. Pas trop un souci, je pense. J'espère. De ce que tu peux. Et oublie pas de revenir ici. Hop. Secours. Oh, secours, toi, faut que tu viennes. Elle peut hit and run, mais bon. Ok, c'est bon. Ici, il nous faut des rangers, vite. Et lui qui va gérer au nord, ça devrait suffire. Je vais mettre une ranger de plus quand même, mais ça devrait suffire un petit moment. Tac. Je vais essayer de mettre un mur là pour le moment. À quel endroit? Parce que là on a le virage, donc il va falloir que ce soit plutôt comme ça. Voilà, ici, je sais pas si je pourrais mettre un mur ou comment le mettre. Alors...
porte là. C'est là où ce... Non, faut que t'ailles là-haut plutôt. Units under attack. The colony is under attack. What? Yes. Okay. Our soldiers are in trouble. You again? Okay. But it's gonna cost you double. Okay. Okay, tu peux revenir là, toi. Here we go again. Non, tu fais hop, hop, hop. Avec le soldat derrière toi, ça devrait aller. Ici, c'est plutôt sur la gauche qu'il y a des soucis pour le moment. Je dis ça, c'est pas la vérité. Viens là. Tac, tac, tac. Et toi, tu viens là, mais en attaquant tout ce que tu peux. Trying to break into the buildings. What's up? Any infected around? Taste my arrows. Our forces are in danger. What? Yeah. Order is certain. Perfect. Our buildings are being attacked. Roger that. Ici tout se passe pour le moins bien. Ouais, toi tu viens là. Vous, faut que vous veniez là. Toi tu gères ton côté, donc ça a l'air bon. Alors toi tu retournes là-haut. Avec tout ça, bah évidemment, tous mes plans sont un peu tombés à l'eau. Mais on va pouvoir essayer de protéger ici quand même. En partie. Non, mais même mon plan de faire la... De faire une autre série ici pour pouvoir faire des soldats plus rapidement. Tombe un peu à l'eau. Eh ben, que ça va, au nord ça va, et ici, ici il faut que vous veniez là, vous pouvez venir au nord maintenant, hop hop, il nous faut ça, mais pour ça il faut l'énergie il y en a là, ouais comme ça ça ira bien. Que vous veniez là parce que c'est à l'est la merde, là où il y a le plus de galères pour le moment. Ok, il va nous falloir beaucoup plus de bois. Vous demandez du bois, vous, d'accord, d'accord. Très bien. Alors ici, déjà un bâtiment qui récolte à cet endroit 12.
je n'aurai pas mieux que ce 12. Autant dire que ça fait pas des masses. Ici je pourrais avoir un. Ici on peut avoir du 7, du 9. On va prendre ce 9 là. Et on va dire que il va falloir augmenter. D'ailleurs, non en fait, la barrière j'aurais pas eu. Bref. Je vais faire un double mur du coup, mais. Mais j'aurais dû faire un mur qui va là et un autre qui va là. Ouais, ça va. Ça se gère tranquillement. Ok. Maintenant il faut s'étendre quand même un moment. Assez de ressources, c'est de la nourriture qui nous manque. Effectivement, donc 23, 27, 27. Hop. Donc là, 23, on a dit 27, c'était beaucoup mieux. Et le 23 là, j'ai bien fait de pas coller la mine au mur. Ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un 19, on peut avoir un 15. Un 18, le 21 je l'aurais pas, mais du coup je peux avoir un 15. Je peux avoir un 17. Est-ce que je peux avoir le 18 là ou pas? Non. Donc le 15 ici, parfaitement placé. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Oh, here we go again. You again. Voilà. J'ai masse de bois, j'ai masse de bois. Vite, vite, on dépense. Avant l'arrivée réelle du train. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ici aussi, en fait, on peut mettre une scierie. Donc là, il y en a une 11. Ah, il y aura une 14 là. Ah, c'est bloqué ici. C'est pas bloqué, je veux dire là. Mais je pense que la 11 est là. 14. Nanana. Ne se gêne pas. Donc c'est parfait. On a 36 par 36 de bois. Ça va être mieux. Voilà. Très bien. On va protéger ici aussi dès qu'on peut. On peut pas. Ok, là on a plus de bois donc c'est normal. Allez, 12. Je l'ai vu. Alors, toi, tu peux venir là, ou même là. Et tu restes en arrière. 4, vous pouvez avancer un petit peu là. Et aller jusqu'ici. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Non, ici on va... On va dire que tout ceci ne nous intéresse pas. Et on va se ravitailler avec ce truc là. Et j'ai plus de bois. Et ici on va mettre un peu de place pour... Ah mais d'ailleurs ça m'a rendu du bois du coup. Hop, hop, ça demande 3 de bois, d'accord. Non, ici. Ah mais c'est déjà, ok. Parfait.
Et donc vous tous là, vous venez là. Quand tu veux le soldat, hop, et hop. Voire même vous, vous pouvez sortir pour essayer de, d'attirer du monde. Et il y a le soldat qui va essayer de vous protéger. Là, vous devrez vous en sortir. Non, 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 vous pouvez pas, vous pouvez pas. Voilà, ça c'est la mine de fer pour pouvoir avoir des soldats. Intéressant. Relou mais intéressant. Au moins je sais où. Pourquoi il y avait une... Enfin, je comprends mieux. La carte. Les murs sont sous attaque. Oui, mais cela je suis au courant. Cela je suis moins au courant, c'est pas ouf. Je croyais que vous... Et toi, tu le faisais ce qu'il te fallait. Ok, ok. Ah, et là, c'est la fin de la carte ici, d'accord. Ah oui, donc en fait le mur j'aurais pu le mettre là et ça aurait été mur final quoi. Bon, tant pis. Je ne pouvais pas trop savoir, enfin j'aurais pu peut-être. Et sur le clic du milieu pour voir, alors ici je peux pas, je m'en doutais. Il me faut combien? Alors l'émission c'est quoi? C'est 800 infectés, 800 dans la colonie. Détruire tous les infectés et il y a au moins une vague le jour 17. On a dit 800, on en est très loin donc on va charbonner un petit peu là. Énergie. Énergie. Non pas la radio mais... Et là, là, ça va un petit peu plus loin, mais ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une défense ici. Voilà. Voilà, ils s'en sont sortis, c'est bien ce que je me disais. C'est bien, elles alternent. Une qui prend les coups puis l'autre. C'est encore mieux quand personne ne se prend de coup. Alors, il va me falloir quelqu'un qui va venir là, qui va venir là. Où est-ce qu'on se fait attaquer? Ici encore. Il va me falloir masse de gens là-dedans. Et du coup, il va me falloir plus de... Plus de rangers
pour aller attaquer la maison. Les 4 là vont pouvoir attaquer tout ce qui sort de la maison, oui. Toi, je m'en doutais. Non, si, c'est bon, tu t'en sors. Va chercher tes copines. Et je vois que j'ai tes ressources blindées de ouf, donc stock de ressources au max. On va mettre celle-là ici. Le nord, on peut pas vraiment y aller pour le moment. Ça, est-ce qu'on peut en mettre un genre là? Ça, on peut plus en mettre. Là, on peut pas. Bien. Ok, très bien. Tac, tac, ici on a l'atelier de bois. Mais en soi, je sais pas si les fermes fonctionnent là-dessus, quoi. Voilà. 22, 23. 22, 23, 27. Puisqu'il va nous falloir... Oui, on est à 1 de nourriture, donc il va nous en falloir bientôt. 23, il est pas mal. Hop, hop. Oh, c'était forcément là. Défense, mur. Voilà. C'est ici, hein. Ouais. Our forces are in danger. Our defenses are being attacked. Ouais, là. Ça devrait s'en sortir. Et je les ai bel et bien fait sortir en attendant. Voilà, les 4 là qui taquaient la maison, les 4 là qui les protégeaient de loin. Le soldat n'a même pas eu besoin d'intervenir. Et tout s'est très bien passé. Units under attack. Ouais, non. Gotcha. Yes. Great. Roger that. Alors, il va nous falloir des maisons, des petites tentes là. Vous pouvez pas ici, je sais pas trop comment les orienter. Ici. Tac, tac. Oui, c'est pareil. Hop, hop. Et pas assez de nourriture, c'est parfait. On va passer de 202 à un peu plus d'habitants. Alors ici, on va mettre un petit mur un peu plus en avant. Ça devrait le faire. Vous faites un tour là, c'est très bien.
Général à 4, vous en sortez pas mal. Quoique... Vous allez les rejoindre et toi tu vas aller là-dedans. Je peux pas mettre une notif. Des fois tu me mets bien la notif tous d'un coup là. 1, 2, 3, 4, 5, tu t'es compté. Est-ce qu'on peut mettre d'autres maisons? Non, il va nous falloir plus de nourriture. Donc aller plus loin à l'est ou à l'ouest pour mettre des cabanes de pêche. 15-15. Oh, j'ai un beau 20, j'ai un beau 19. Oh, dommage. Alors ici j'ai quoi? J'ai du 11, 10, j'ai du 15, respectable. Et là, par là, je vais pouvoir en rajouter. Très bien. Il va falloir aussi ne pas oublier... Donc ça va être mon dernier mur. Hein. Je peux le doubler, le tripler, mais ça va être mon dernier mur. Voilà. Ici, je sais pas trop au nord. Ici, j'aimerais bien... Là, peut-être pas, mais... C'est compliqué, quoi. Soit on a la fin, ici, des rochers qui sont dans le virage. Soit on a un mur à défendre, un autre mur à défendre. C'est un peu... C'est pas idéal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est à 330 habitants. On est largement pas assez nombreux. Alors ici, à quel endroit on pourra faire des maisons? Ici. Donc si on les fait là, c'est ici, là, que ça nous arrange. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'on veut? Ici. Ouais, non, ça prend de la nourriture. J'ai l'impression qu'on est quand même un peu en déj de nourriture sur cette carte. Trouble.
Si, ouais, je vais mettre au moins une porte là. Parce que ce qu'il me faut, c'est avoir plus de nourriture. Donc là, j'ai un 24 qui est magnifique. Si potentiellement j'ai un 31, je peux le poser lui. Bah, je le ferai quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Où ça? Toi, tu vas revenir là. En fait, vous allez revenir là un peu. Hop, hop. Hop, et vous revenez là. Ouais, tu vas venir là aussi. On est jour 14, on est que jour 14, punaise. Alors, tac, tac, il nous faut... Oh oui. Oh oui, le 31. Ici, est-ce qu'on peut mettre un moulin? Oui, on n'a pas de masse d'énergie. On va en mettre un là. Voilà. Et on va refaire le mur ici. On va prévoir ce mur. Pour le moment... Non, faut être gourmand, je pense. Ouais, on peut être gourmand et le prendre là et faire un autre mur là-haut. Ok. On va attendre un petit peu du coup. Hop. Hop. Et hop. Voilà, on s'en sort à peu près. On n'a pas beaucoup d'espace hein, pour... non, là c'est plutôt dans l'autre sens. Même si c'est déjà très occupé ce secteur. Ouais. Unit under attack, où ça? Ouh, il y a encore une maison ici. Ici, vous vous en sortez. Ah non, tout va bien. Alors ici, oui, ici on est vraiment à la lisière. Donc là, on veut... Ouais, masse de murs. On va en construire plus. De toute façon, je pense que c'est un peu trop. La vétéran... Le vétéran, tu vas venir ici, hein. Hop, tu vas là, puis là. Ouais, tu vas les rejoindre. Où est-ce qu'on se fait attaquer? Toi, tu vas venir là, et toi, tu vas venir là. J'ai l'impression qu'il y a une mini-attaque en cours là. Alors oui, mais si tu pouvais te centrer... Voilà, d'accord. Je comprends mieux. Ouais,
Ici, on est au courant. Ici, on va mettre un autre mur, une autre porte, voilà. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est plutôt ici de s'assurer qu'on est protégé. Ouais, deux, ça devrait le faire. Parce que si il y a une triple porte, mais que juste à côté il y a un mur simple, ça va pas le faire. Et ici. Hop, on a plus de bois. What's up? Any infected around? Ouais, ça devrait le faire. Je pense qu'on peut s'en sortir, je sais juste pas pour la vague qui arrive bientôt. C'est le groupe de gauche ou le groupe de droite? C'est le groupe de gauche. Qui, au moment où j'ai mis pause, était déjà en train de headshot, d'enlever la tête de leur assaillant. On a dit 800, faut absolument que je prenne cette zone-là. Hein. Il le faut absolument. Alors, ce qu'on va essayer de faire, où est-ce que je peux te caler, toi? Là, oh. J'ai l'impression que c'est du sable et que ça va pas le faire pour les fermes. Alors, ici, j'aimerais éviter de mettre des maisons. Si je pouvais mettre justement une ferme. Ouais. Je vais venir là. Et on va, dès qu'on a du bois, réfléchir à mettre du... à mettre des tourelles. Alors c'est laquelle qui est devenue vétéran? Quoi? Je vais venir là. Ah ben... C'est bien, mes deux armées se retrouvent au même endroit. Donc oui, tu vas là, mais en tapant tout ce que tu peux. Non. Vous allez là, et vous venez là. Ils vont me détruire. Ok, c'est bon. Forcément, j'ai eu quelques-unes qui sont... Alors... Ouais... Juste quand... justement, je vois qu'ici, il y a... Il y a un souci. L'est, c'est la droite. Très bien. Alors toi. Toi. Et vous venez là. J'espère que lui va pas venir embêter. On va essayer. De mettre des murs ici.
Là, c'est l'endroit parfait en plus. Non, on va attendre. Là. Voilà. Parfait. Vous venez là. Pendant que normalement tous mes soldats, toute mon armée est en train d'arriver, voilà. Voilà. Et si toi t'es nouvelle, tu vas venir là. Toi. En fait, toutes les deux là, toi, tu viens là, puis tu viens ici. Toi aussi. Hop, tu viens là et après ici. J'aurais peut-être pu rajouter des murs ici, mais bon. Voilà, le train qui passe pour nous aider. C'est sa seule raison de passer par là, le train. Oui, bon, que nos défenses se fassent attaquer ici. Et voilà, et là je peux avoir 4 soldats qui sont encore protégés au cœur de l'action. Et qui attirent l'aggro pendant que le groupe est plus loin. C'est pour ça qu'au final, ces tours de bois sont pas si mal. Bon, par contre, c'est un peu la mouillise là. On va pas se mentir, ils ont quand même plutôt bien attaqué. Alors, hop. Toi tu viens là, toi tu viens là. C'est un peu la misère. Ici chalet. Ah, on peut faire des chalets. Effectivement, ça va être utile. Mais en priorité, on va devoir avoir plus de fermes. Ici on devrait même rajouter au moins ça. Hop, vous venez là. Alors. On va essayer de toutes les prendre, hein, les VT. Non. Seulement. Celles qui sont devenues vétérans, elles ont plus besoin d'XP. Donc toi t'es pas vétéran, tu vas venir là. Et toi, tu peux venir là. Voilà. Hop. 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 Et hop. On va se dire qu'on va se faire attaquer par l'autre côté la fois d'après. Donc il serait bien de mettre quelques défenses. Ce serait cool aussi de pouvoir accéder à ce coin-là. Hop. Hop.
Pas assez de ressources, d'accord. Et des murs, je n'ai pas de quoi. Technology research finished. Ok, très bien. Technologie suivante. Alors vous, deux city, là, deux, trois ici, deux là. Ici, on peut remettre des tourelles. Voilà. Non, ça devrait le faire, ça. Qu'est-ce que... Assez de ressources, très bien. Là, il y en a combien? Là, il y en a qu'une. Mais là, il est censé y en avoir une aussi. Donc ce mur là on est censé pouvoir le supprimer. Ce que j'avais fait c'était rechercher la ferme, donc il faut du bois. Ah. Il y a beaucoup de maisons au nord, hein. On m'a dit que j'étais protégé du nord. Je trouve que c'est mytho. Alors, vétéran, est-ce que je l'aperçois? Là, oui. Et là. Donc, la vétéran, tu peux venir directement ici. Punaise, il y a trop de vétérans. Je voulais faire quoi? Je voulais mettre des fermes, oui. Alors je crois que le 64 c'est ce qu'on peut avoir de maximum, et oui c'est bien ce que je craignais ici, là. C'est du sable terre qui n'est donc pas cultivable. 64 c'est le mieux, donc on a vu un 62. Et peut-être qu'il vaut mieux répartir en 58 plus 24. Ici ça pourrait peut-être être plus rentable de mettre aussi. Regardez, zéro quoi. De mettre aussi une ferme du coup. Je n'avais pas forcément fait gaffe. Toi t'as fini. Donc on peut commencer à transformer tout ça le jour où on aura du bois. Tac, tac. Tu peux venir là. Vous pouvez remonter là. Donc là, il y a bien 4. Là, ils sont 4 aussi. Et là, ils sont 2. Ici on peut mettre... Et mince, j'en ai entendu une qui est morte. Et je croyais avoir mis pause en disant ça. Toi tu vas monter là-dedans, toi tu vas monter là-dedans. Je n'avais pas fait gaffe que les tours étaient finies, je les avais légèrement, entièrement oubliées. Vous galérez à sortir, vous êtes un peu lente à sortir. On va essayer de faire... Voilà, une deuxième caserne.
Ouais, cette ferme elle produit pas des masses, ça se voit au champ. Ouais, vous pouvez faire la diagonale comme ça, je suis sûr que vous allez prendre toutes les ressources si vous y arrivez. Ce sera plus simple pour les suivantes. Donc oui, l'atelier en bois qui ne nous a pas, enfin qui nous sert, mais qui n'a pas énormément de recherche à faire. Ouais. On va commencer à monter. Là, je sais pas si ça sera un mur temporaire ou définitif. Celui-ci, donc pareil. Oh punaise. Are you sure? Roger that. My bow and arrows are gotcha. Are you sure? Yeah. You order, you pay. Okay, great. Are you sure? Yes. Oh, your orders. Units under attack. Aussi, il y a de la marge. Hop. You great. Gotcha. Yes. Ce serait cool qu'on puisse avoir des soldiers. Quand même. Parce qu'elles sont bien gentilles les rangers, mais voilà, elles sont gentilles, c'est tout. Est-ce qu'ici je peux mettre 34, c'est à peu près tout. Donc 34, ça sera ça. 34 ou rien, on prend 34. Là, est-ce qu'on peut mettre une ferme dehors? Ah oui, 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 oui. Ici, ça peut être cool. Hein. 46. Ici, on peut avoir du 50. Ouh. Il va falloir aller sur la gauche. Non. Alors la 18, la 21. Oui, c'est celui-ci. Voilà, lui il va produire des soldiers tant qu'il peut, mais il pourra pas très longtemps. Ici on peut monter en chalet, il nous faut 600, 800. 800, c'est quand même beaucoup 800. Oui, il y en a un chalet qui s'est mis jusque là-bas. Vous voyez que ça prenait toujours le plus proche possible. Qu'est-ce que je veux? Une scierie? Non, pas vraiment, pas vraiment. Là, j'ai des murs que je pourrais d'ailleurs un peu améliorer juste ici. Voilà, ça suffira pour le moment. Regardez les vétérans avec, hein, c'est quand même un boost de DPS dont je me prive à chaque fois. Mais qui est non négligeable, l'XP vétéran. Yeah. You order, you pay.
Surtout que les renforts sont un peu plus compliqués à faire venir. Non, ça c'est des fausses, ok. C'est des fausses caisses. Oh, vous venez directement là-dedans. Hein. Voilà, on va monter. Alors ici, on peut faire une mine. Alors on peut faire une mine qui rapporte 5. Ou on peut faire 4. Et 3. Vous toutes là, vous êtes toutes neuves, toutes. Et tous, vu qu'il y a quand même un ou deux soldats. Hop, hop. Toi, tu veux pas venir? Je m'en doutais. Alors toi, tu vas pouvoir venir là. Et vous redescendrez par là. Je rêve pas, c'est de l'or ça. Pas de la pierre. Ouais non, ça c'est de la pierre, ça ça brille un peu plus, c'est de l'or. J'avais dit que j'aimerais quand même bien avoir des mines. Avoir des mines. Deuxième mine. Est-ce que tu peux en attirer quelques-uns, toi? Parfait. Voilà. J'hésite quand même beaucoup à avancer. Là, je pourrais faire soit un petit mur comme ça et un autre là. Ici, c'est protégé. Ah ouais, les montagnes au nord sont réellement protégées. Ok. J'essaie de me développer dans une demi-carte en fait. Ce qui n'est pas pratique, disons-le clairement. Même un tiers de carte. Hein. Là j'ai un tiers, là j'ai un deuxième tiers. Et ici le troisième. Toi, tu vas chercher ça. Ici vous êtes 4 et vous êtes 4. Du coup tu vas venir là. Toi, vous trois, vous allez venir là, oui, là, et là, vous allez rejoindre vos potes ici. Nos murs se font attaquer ici. Ok. Je vous remets au endroit.
très bien. Hop. Voilà. Toujours au même endroit. Nos murs, où ça? Oui, bon, nos murs habillés. Je suis au courant. J'ai toujours peur que ce soit ailleurs, mais. Mais ça va, ça, je suis au courant. Ouf. Ici, on produit des soldats. Et normalement, on devrait se la faire, cette maison. Je crois qu'elle est bien entamée. Oui, elle est très bien entamée. Il n'y a plus grand chose. Ici, on va remettre un juste pour dire plutôt. Ici, on devrait faire une expansion agressive maintenant. Qu'on augmente nos chalets. On est un peu gêné pour les augmenter, on peut les faire que lentement parce qu'on n'a pas de stock. C'est là où l'entrepôt nous aurait fait plaisir. Il va nous falloir de l'énergie. Non, l'énergie, on en a 20. Ça devrait suffire pour un petit bout de temps. Vous allez être la petite troupette qui va s'occuper de la protection de ce mur là pendant que eux font le tour pour le mur qui est censé venir ici. Pas si grave. Je pense que c'est pas si grave s'ils infectent 3 bâtiments ici. En vrai, vous pouvez sortir pour aller aider vous aussi. Au lieu de devoir repayer les trucs. Et vous revenez là. Alors où ça? Oui, ici je suis au courant. C'est ce que je disais justement. Ici aussi on pourrait... Non, il y a déjà... des choses pour l'expansion. Hop, vous venez là. Et vous patrouillez, on va devoir mettre des murs dès qu'on peut. Il faut qu'on continue de monter. Voilà, alors là normalement j'ai toute mon armée à droite et un petit peu à gauche. Voilà. Ah si, le nord là je l'ai mal fait, je l'ai mal vu.
Ah non, on va inverser. Voilà. Et vous trois, à la place, vous allez à trois défendre toute cette zone, toute cette porte. Là, on va devoir mettre une porte aussi. Voilà, je sais même pas dans quel sens on va la défendre, c'est juste si jamais il faut que ça se bloque un peu. Ok, ils arrivent de l'est. Vous les soldats, vous êtes trop lents, vous venez là. Vous, vous allez jamais résister, vous venez là aussi. What do you want now? What? Gotcha. Yeah. You order? You pay. Et après, vous revenez là. Dès que vous avez fini votre trajet. Ouais. Deux soldats, ça devrait suffire. Ok, on est bel et bien protégé au nord par montagne. Et nous attaque bel et bien par le... Par l'est, milieu, pas l'est, rail. Pas l'est côtier. Alors... On va faire ça... De toute façon, j'ai plus de ressources, voilà. Comme ça, tout est réglé. On va voir si on résiste. Normalement, on devrait... Sans trop trop de soucis. Ce qui m'embête, c'est s'ils explorent tout le reste de la carte, mais... On va dire qu'ils le feront pas. Donc les murs pètent pas, ça me va. Et effectivement, les murs ont pété. Et ma mini muraille a très très bien tenu, je trouve. Maintenant il faut réparer. Il faut réparer, vous pouvez sortir. Vous aussi, bah, je vais vous envoyer de ce côté là plutôt vous. Hop. Voilà. Sur ce, il faut réparer le maximum de choses. Il faut étendre notre influence. On n'a pas assez de sous. Très bien. Oui, bah oui, forcément réparer. Réparation, ça demande de la thune. Qu'on alterne entre réparer ou augmenter les maisons. Pour avoir plus de colons. Non,
Attends, faut d'abord réparer parce que ça va me... Ça me débloque en fait de revenir ici. Ça, ça coûte quoi? Ça coûte moins cher de réparer en plus que de... Que d'en reconstruire. Donc voilà. Alors ici et là. Et le reste, on verra, c'est moins urgent. Ici, on a besoin de thunes. Alors, on peut avoir 50 et 60 ou on peut avoir 110. Si j'ai 80 là, je peux avoir 50 et 80. Et je perds genre 10, enfin une case, donc ça va. Il faut du bois. Ça aussi, il faut du bois, très bien. Allez là. Attention, building completed. The train has arrived at the station. Vous pouvez sortir. Vous aussi. Je vais laisser ces murs là au cas où. Vu que j'ai pas spécialement 100% besoin de la place. Hop. Ici j'ai trouvé un 64. Ouais, très bien. Ici 6, 9, 12. Plus de bois, on prend. Qu'est-ce qu'on veut? On veut éclairer le nord de la carte. On veut aussi avoir un mur ici. J'ai plus de sous. Attention, building completed. Attention, building completed. Là. Bon, en vrai je pourrais mettre des vrais murs, je sais même, j'ai du mal à me rendre compte si c'est, si un vrai mur a, ou un, oula, si un vrai mur ou une porte, lequel résiste mieux, j'ai un peu de mal à me rendre compte. De toute façon avoir une porte c'est quand même... toujours mieux. Qu'est-ce que tu fous toi? Ah bah d'accord. D'accord, bah merci. C'est très gentil de ta part de m'avoir prévenu que là, il y avait un trou que je ne pouvais pas voir avec le caillou. Est-ce qu'on peut faire une troisième rangée? Oui, alors on l'a fait. Voilà. Et là on peut pas plus, très bien. Donc on va mettre... plusieurs tours. Voilà. Ici, il va falloir faire la même chose, un mur plus épais. Avec plus de tours, j'ai plus de bois. Ici on peut en mettre un là, un là. Ici on va mettre deux tours aussi si on peut. J'en ai oublié que je voulais m'étendre au nord. Même s'il n'y a pas beaucoup d'oasis de... endroit pour mettre des fermes, 48 c'est pas mal. J'ai pas rêvé, j'ai vu un 50, j'ai vu un 60.
Et ben le 60 il fera l'affaire, ou alors le 58 on pourrait en mettre un autre là. Ah peut-être le 50 le ouais le 58 pour pouvoir mettre un. Ouf. Un 24. Et non je peux pas c'est le 14 ici. Ah non il est pas sur l'air, bon tant pis. 4, 16, 20. On a 160 en fait, ça devrait aller. Alors. J'ai fait des tours, c'est pas juste pour faire joli. Malheureusement, j'ai besoin de soldats pour les remplir. En parlant d'avoir besoin de soldats. Voilà. Il va me falloir plus de maisons. Comment je vais faire? Je vais faire là. On a besoin de travailleurs. Tant qu'à faire, je fais des chalets directs. Ça me coûte plus de ressources, mais il n'y aura pas besoin de les améliorer. Ou alors je fais des tentes en me disant que j'ai énormément d'espace. Énormément d'espace. Et donc j'ai de quoi. Voilà. J'ai de quoi dépenser. Voilà. Ça a besoin de travailleurs, d'accord, oui. Le train n'est toujours pas passé depuis que j'ai commencé. Tac. Et il est en train d'arriver maintenant. Je vais avoir besoin d'énergie apparemment, donc on va... Je suis à 0, je suis à sec en énergie. Ah, bon. Vous, il va falloir quand même défendre au sud là. Tac, tac. Ici, on va vouloir une autre. Hop, hop. C'est pas mal. Ici, on a défendu comme on pouvait. J'ai oublié de mettre les soldats de ce côté. Là où ils peuvent. Voilà, on va les mettre là en attendant. Est-ce que... Ici, on pourrait avoir un peu plus de soldats. Là, là par exemple. Hop là. Ouais, et je pense que tout le reste, on va les ajouter ici. Parce que si ça arrive de l'est, va falloir séparer en deux avant. Puisque là, on n'a pas relié. Ou alors, on essaye de relier. Ouais, on va peut-être essayer de relier. On a dit qu'on avait besoin de moulins avant. Pardon. Hop. On a besoin d'électricité de partout. Ouais, parce qu'au nord, on pourra mettre des scies aussi. On
pour avoir du bois et voilà. Hop, hop. Allez, il me manque un de bois. Il me manquait un de bois. Hop, celui d'à côté, c'est très bien. On peut en remettre un ici. Alors ici, il faut des gens. Vous êtes en train de... Là, faut juste que j'attende les jours, non? Bon, peut-être aussi que je fasse les objectifs de population, mais à part les objectifs de population. Hop là. Il n'y a plus qu'à attendre les vagues d'infectés. Tu me fais pitié à courir, toi. Voilà. Attention. Order completed. Attention. Building completed. Reporting for duty. The train has arrived at the station. Just guide me to the infected. Voilà. Du coup, en attendant l'attaque, on se prépare comme on peut. Hop, là. On peut en mettre une là. Tac. Tac. Alors ici... oui, on peut mettre des moulins. Ça ne fera pas de mal, même si j'ai beaucoup d'énergie. 18. On a plus de... Ok. Ici, ce serait bien d'avoir des... 12 seulement. 24. Oh. 15, 17. Genre un bon 17, 18 avec une série au milieu. Et des fermes. Tout partout. Allez là, c'est dommage qu'on puisse pas trop voir quels sont les besoins en ressources au moment où on attend. Voilà. Sur ce, on met plus de maisonnettes. Ici, si on peut mettre des maisons encore. Donc là, on a notre objectif de 800. D'ailleurs, on y est. Hein. Maintenant, c'est résister à toutes les hordes. Très bien. Donc maintenant, c'est clairement patienter et battez-vous jusqu'au bout. Hop. Hop, hop, là, là, là,
for duty. Voilà, j'ai mis ce que j'ai pu là comme, comme tour. Parce que, comme je le disais il y a quelques temps, les tours permettent de... D'ailleurs, on va augmenter le nombre de casernes. On a 58. Ouais, on peut. Non, c'est bon. On a besoin de un travailleur et un de nourriture. Il va falloir qu'on transforme un peu de nourriture en travailleur pour avoir le maximum de soldats possible. Il n'y a pas de bouton accéléré maintenant. On extrait le maximum de fer qu'on peut. Déjà. On extrait... Mais on reste à fond. Ouais, je suis en train de me rendre compte que ça fait presque 12 heures. Je pensais pas que ce serait si long. En même temps, j'ai recommencé un peu le début de mission et... Ouais, j'ai un peu recommencé le début de mission et j'avais... comment ça s'appelle ? Et j'ai pas mal mis des pauses tactiques à des moments où j'aurais peut-être pu m'en passer. Alors construire ces trucs là c'est bien, mais il va quand même falloir un moment ou un autre mettre les soldats dedans et ils prennent leur temps. Là il y en a 4. Est et ouest. Alors, là... J'en ai sélectionné 4 qui vont venir ici. Je suis bien plus protégé à l'est qu'à l'ouest quand même. Hein. Quoique. C'est compliqué. Je regrette un peu là. J'ai eu un moment peut-être un peu long sans production de soldats. J'espère que je vais pas le payer trop cher. Toi tu vas passer là, j'aurais pu faire un chemin là, mais non, hop, toi tu vas venir là-haut. Alors là il y a... Ok, ils attaquent. Alors là il y a beaucoup de gens, là il y a pas mal. Il vient là en fait surtout.
Ici, il y en a beaucoup. Ok, ok, ça c'est tout réglé. Ici, ça se passe moins bien. Hop. Non. Tac. Non. Hop. On va devoir les faire l'une à la fois, l'une après l'autre. Voilà. Non, ça va, ça va. Quoi? Non, ok. Ah mince, là où il y en a que deux. Et voilà, avec juste une petite tentative début de partie qui foirait. Félicitations, vous avez établi une colonie prospère et ainsi étendu l'influence de la puissance de l'Empire. Voilà. Oh, petite cinématique. L'empereur Quintus Crane exige votre présence dans la salle du trône. Welcome, my general. After 1 year of campaigning, we have the first 4 colonies thriving in the wild. A promising start. But don't let that go to your head. The lands surrounding the Great Crater have always been the safest ones. Farther away, in the unnamed lands, the infected are counted by legions. And they harbor unknown dangers. I hope you are prepared and will not dishonor the Empire. You may continue on your way. For now. L'empereur qui veut mettre un peu la pression. Donc, nous avons une horde pour aller rejoindre le Cap Tempête. Cap Tempête qui restera une mission de niveau 2. Cap Tempête que je dois avouer, j'ai déjà entendu parler. Une horde d'infectés jeunes, décrépits, âgés. Donc il y en a. Il y en a un tiers qui sont rapides. Ah non, très faible élan. Ok, il n'y a que des lents. C'est plus simple quand c'est des lents. Mais. Ah, on avait déjà un épisode qui est gigantesque. Du coup, même la partie utiliser les points de science, on le fera au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu et à bientôt.